Salut, salut les amis, c'est Fut4Fun, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo défi création d'équipe DCE live avec le renfort TOTS communauté, les amis. Donc, c'est comme hier pour l'Eurodivisée, vous allez avoir un TOTS de la communauté. Pour ce défi là, il fallait un TOTS. Donc, il fallait un TOTS. Moi, j'en ai paqué 3. Donc, j'ai pris le plus pourri des 3. Comme ça, au moins, si vous en avez un meilleur, ben, vous pourrez baisser des notes. Si vous n'en avez pas un meilleur, ben. On reste là-dessus. C'est difficile de faire un TOTS en moins de 88. Je ne sais même pas s'il y en a. Mais au moins, voilà, vous savez qu'il faut un TOTS. Il coûtait, quand j'ai regardé le prix, il coûtait 28 000 crédits. Je pense que là, tous les TOTS ont augmenté, c'est sûr et certain. Donc, il doit être aux alentours de 30 000 crédits. Pour le défi en entier, il y en a pour 50 000 crédits. À tout casser. Je vais compter en même temps de vous proposer les joueurs. Donc, il fallait un TOTS. Il fallait une note générale à 84. Un collectif à 50. Je suis à 59. J'ai 2, 3 joueurs paquets, 4 joueurs paquets, donc vous serez à 55. Ça fonctionnera tranquille. Bien sûr, à la place de Ilicic, si vous voulez mettre Ibra, vous pouvez mettre Ibra, il n'y a aucun problème. À la place du MDC de Fernandinho, vous pouvez mettre n'importe quel joueur à 83. Je vous montre. Moi, j'en ai pris un parce qu'il était dans mon club. Mais on va dire que allez, les joueurs à 83 les moins chers, c'est lui. Ouais, on est à 55. 55, vous serez à 52 ou 51, donc ça fonctionnera. Et il est nettement moins cher que... ouais, bon, lui, 1005, je l'aurais jamais eu, mais... Voilà. Lui, il coûte 2000 crédits, et par exemple, si on fait Fernandinho, par exemple, c'est pour ça que je vous dis, ne faites pas le même que moi, ça sert à rien. Moi, c'est vraiment parce que je l'avais dans mon club. Bon, il y a 3002, il n'y en a pas. 4002, il n'y en a pas, donc on va même... hop. On va faire ça et ça et on va voir ce qui en 83 qui on a. Si vous mettez un 82, ça ne fonctionne pas. Je vous préviens maintenant. Donc voilà, je sais pas qui est le moins cher de tout ça en 83. Mais par exemple Coates. On met Coates. Voyez, on est à 57. Mais vous avez toujours, on a toujours 4 joueurs paquets. Vous serez à 53. Voilà, Coates, je pense que c'est un bon délire. C'est un bon. C'est pas mal. C'est un bon compromis. Donc voilà les amis, c'est parti, on commence avec Yacine Bounou, Gareth Bale, Felipe, Stéphane Savic. Donc vous voyez, 4005, 4007, on est déjà à 9002. Juste pour ces deux jojoueurs-là, plus le TOTS, on est déjà à 40 000 quasiment. Voilà, donc je vous dis 50 000, c'est à peu près ça. Pardon, le boost, le TOTS, qui vous voulez, vous mettez qui vous voulez ici, du moment où il est TOTS et qu'il est au moins 88 de général. Sébastien Coates, ou n'importe quel joueur à 83 que vous avez. Luis Alberto, Julian Brandt, Josip Iličić, Ferran Torres, et on termine avec Thorgan Hazard. Donc vous voyez, il y en a pour à peu près 50-55 000 crédits pour ce défi-là. On soumet l'équipe et on va aller ouvrir notre pack. TOTS garanti, donc c'est comme je vous ai dit, c'est pas mon compte, donc je ne saurais pas être affolé, même si honnêtement, j'espère juste que je ne vais pas avoir la porte. Ça me ferait chier d'avoir la porte, pardon, parce que je l'ai déjà en doublon. Enfin, je l'ai déjà. Alors, TOTS, forcément, il est allemand, donc ça va. MD, c'est Gnabry, donc ça va, c'est une belle carte. C'est une belle carte. 94 de vitesse, 91 de tir, 88 de passe, 94 de dribble, 51 de défense et 81 de physique. Pour ceux qui l'ont testé, moi je vous le conseille, franchement, apparemment, c'est une tuerie. Voilà, il est très agile et apparemment, il est très fort, donc voilà. Je suis content, même si je m'en servirai jamais de ce compte. Voilà les amis, dites-moi en commentaire qui vous avez eu dans votre pack TOTS. Prenez bien soin de vous, likez, partagez un max, comme d'habitude, de toute façon vous êtes au top, vous le savez. A très vite, prenez bien soin de vous, ciao et merci.